monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes indispensables beauté make-up. La semaine dernière, je vous ai fait mes indispensables beauté soins. Et là, il était temps que je vous parle de maquillage. Il y a des gros prix, prix de luxe, on va dire. Et il y a des petits prix. Donc, restez connectés parce que ça peut peut-être vous intéresser. Il y en a pour tous les budgets, pour toutes les bourses. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc, on va commencer avec le teint. Les produits où je craque le plus, tout ce qui est teint, et ensuite les yeux et les lèvres, mais le teint, j'adore ça, travailler le teint. Et du coup, j'ai deux chouchous depuis, celui-ci depuis maintenant pratiquement 2 ans, et celui-là depuis une petite année. Donc, on va commencer par mon gros crush, c'est de chez Herborian, c'est la CC Red Correct. Si vous avez des petites rougeurs, c'est le top. Le tube vous fait une éternité. C'est une petite pâte verte qui s'équilibre au niveau de votre pH de peau. Elle va à toutes les carnations puisqu'elle est pour toutes les carnations. Elle cache les rougeurs et ça, c'est plutôt cool. Pour les peaux grasses, elle n'est pas du tout grasse. Elle ne fait pas briller. Moi, je poudre toujours mon teint, donc je poudre quand même. Mais ça, c'est le top. L'hiver, parfait. Et l'été, un petit truc très léger et plutôt très cool. Et de chez Sephora, c'est le Sephora Care. C'est le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures. Je l'aime plutôt bien. Je l'ai déjà utilisé quand même plutôt pas mal de fois. Et à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai eu des compliments sur mon teint. Et franchement, je le trouve vraiment chouette. Il est léger, il hydrate. Pour les peaux très grasses, je ne le conseille pas forcément parce que il y a ce petit côté glow qui ressort. Mais pour les peaux les plus sèches, mixtes et normales, franchement, il est vraiment top. Il est hyper lumineux, il tient toute la journée. Et moi, il ne bouge pas, donc c'est plutôt très cool. Et c'est un petit prix, donc ça, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. On continue toujours au niveau teint. Donc, je vous ai dit, moi, je poudre toujours mon teint avec plusieurs poudres différentes. N'importe laquelle, mais vraiment ma favorite, c'est la By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder. Elle est hyper fine, elle lisse le teint, elle lisse le grain de peau. Je trouve ça trop joli. Si vous faites des photos, je pense que c'est la poudre une des meilleures qui puisse exister. Elle est blanche, mais elle est transparente au niveau du teint. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle matifie correctement et elle lisse vraiment le grain de peau sous les yeux, etc. Enfin, moi, je la trouve vraiment parfaite et elle n'assèche pas du tout le grain de peau. Donc, je vous la conseille fortement également. Niveau bronzer, j'adore les bronzers et j'en ai 3 à vous présenter. On va commencer par le petit prix. C'est le bronzer, le Butter Bronzer de Physicienne Formula. Vous pouvez le trouver sur différents sites. Je vous aurai mis en barre d'infos tous les liens de tous les articles que je vous parle. Et celui-ci, je l'avais acheté moi à Londres, mais maintenant en France, il est à peu près trouvable sur beaucoup de sites. Moi, je l'ai en teinte, je sais pas s'il y a vraiment une teinte. Je ne sais pas. Bref, mais il est vraiment chouette. Il sent divinement bon. Je ne sais pas. Il a une odeur de parfum et en même temps de sucré que j'aime beaucoup. Il est hyper bien pigmenté. Ni trop, ni pas assez. Il se travaille super bien. On l'estompe plutôt correctement. Et je trouve que ça fait une éternité. Parce que je l'ai acheté au mois de février 2020. Et il est creusé. Mais je l'utilise pratiquement toutes les semaines, je l'utilise, c'est certain. Aujourd'hui, c'est celui-ci que j'ai posé sur mon visage. Et franchement, je trouve hyper chouette pour le prix que c'est. Ensuite, 2 très gros prix, le Marc Jacobs et le Chanel, mais qui n'ont rien à voir. Puisque le Marc Jacobs, c'est un bronzer poudre qui est énorme. Il fait 25 grammes et celui-ci faisait 11 grammes. Bon, déjà, le packaging est canon. Il sent un petit peu la noix de coco et il est énorme. Il est beaucoup plus léger. Si vous n'aimez pas que ce soit trop marqué au niveau du bronzer, il est vraiment beaucoup plus léger. Il vous donne ce petit côté allé, mais pas hyper bronzé comme peut donner par exemple Physicienne Formula. Moi, j'aime autant l'un que l'autre. Des fois, j'aime bien avoir un teint plus léger et des fois un teint beaucoup plus prononcé. Mais quand je le veux léger, j'utilise celui-ci. Franchement, il est vraiment bien. Il est très fin. La poudre est très fine. Elle s'estompe hyper bien sur le visage. Donc ça, si vous avez le budget, franchement, je vous le conseille. Il est plutôt très chouette. Et celui-ci, c'est un chouchou de cette année. Franchement, je l'adore. C'est le Crème Belle Mine Ensoleillée de chez Chanel. Ça se présente comme ceci. Et c'est un bronzer tout simplement
crème. Donc le mien est un poil dégueulasse. Donc ce sont, oula pardon, ce sont des bronzers qu'il faut utiliser avec ce genre de pinceau. Un pinceau duofibre, vous le trempez. N'en mettez pas trop parce qu'à un moment donné, vous allez ressembler à je ne sais qui, mais pas une belle gonzesse, quoi, ou un beau gosse, quoi. Mais ça, pour si vous savez travailler tout ce qui est crème, franchement, c'est le top. Moi, j'ai appris avec Justine, c'est Justine qui m'a fait découvrir, de la chaîne Justine Chanel, qui m'a fait découvrir ce produit. Franchement, j'en suis amoureuse. Donc, désolée, on a été coupé. Donc, voilà, franchement, ce sont de très bons produits bronzer, enfin moi je les aime beaucoup, ils peuvent se terminer, enfin tous les produits que je vous présente peuvent se terminer, que je les rachèterai, c'est sûr et certain. On continue un petit peu avec le teint, ce sont les derniers produits teint, ce sont les blushs. Je suis une grande fan de blush, j'en ai beaucoup, que j'utilise tous, mais mes favoris sont juste ici. Donc ce sont quand même des prix relativement corrects. Tout d'abord, le Too Faced en forme de cœur, c'est le Sweet Earth Perfect Flush Blush en teinte Peach Beach. Donc vous allez voir, celui-ci est complètement creusé. Mais pour vous dire que je l'aime énormément, je l'avais racheté. Franchement, c'est un bronzer. Un bronzer hyper léger, mais très lumineux. L'été, je le trouve sublime. L'automne aussi. Je trouve que ça rehausse le teint. Je vais m'essuyer les mains avant d'en mettre partout. Ça rehausse le teint. Franchement, avec ça, vous n'avez vraiment pas besoin d'highlighter. Je le trouve hyper lumineux. Vous pouvez même, si vous voulez jouer avec, le mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Ça peut faire un très joli highlight, au niveau des yeux. Et celui-ci, c'est sûr que je le rachèterai. Il peut se terminer encore 20 fois que je le rachèterai. De chez Benefit, le Rocater. Benefit, le Rocater. J'ai vraiment du mal à parler. Hein. Je pense que je parle beaucoup trop vite. De chez Benefit, le Rocater. Pareil, c'est un rose gold qui se présente comme ceci, qui est hyper utilisé. Mais j'arrive vraiment encore à en prendre plutôt pas mal sur mon pinceau, donc je ne vais pas encore le racheter. Mais c'est sûr que c'est une teinte que je rachèterai. Je trouve que le rose gold va à toutes les carnations et surtout pour toute l'année, pour n'importe quelle saison, il va. Un tout petit chez Sephora, ça c'est mon favori, c'est le Euphorique. C'est un petit orangé corail, hyper lumineux aussi. Celui-ci est plutôt bien pigmenté et je l'aime plutôt pas mal. L'été et l'automne, je le surkiffe, je le mets pratiquement tout le temps. C'est mon deuxième, j'en avais déjà fini un et franchement, je l'adore. Et pour terminer sur les blushs, une petite palette de chez Zoeva, c'est la Aristo, où vous avez trois blushs. On a été interrompu une petite demi-heure, c'est pas très grave. Bref, je vous disais que c'était plutôt pas mal comme palette, je ne sais plus comment je vous ai laissé, que j'aimais beaucoup cette palette due à aux teintes. Et en plus, vous avez un petit highlight avec qui est très subtil, mais qui est plutôt très joli. Là, c'est un mat lumineux et un highlight. Franchement, j'aime trop. Et en plus, les palettes Zoeva, franchement, elles coûtent pratiquement rien. Enfin, franchement, c'est des tout petits prix et c'est plutôt cool. On les trouve sur Sephora et sur plein d'autres sites. N'hésitez pas à fouiller. Ainsi, des fois aussi sur les Vinted, il y a des Vinted qui sont plutôt cool pour acheter ce genre de produits beauté. Ensuite, on va passer aux yeux, aux palettes. J'aime trop les palettes, j'en ai beaucoup. Vous allez dire, oui, enfin bon, tu te maquilles pas très souvent. C'est vrai, il faudrait que je m'y remette, mais moi, l'été, je ne me maquille pratiquement jamais. À part un petit peu le teint, les lèvres et un petit coup de mascara, franchement, c'est tout ce que je fais. Parce que l'été, souvent, je me frotte les yeux ou quoi. Et si vous avez mis du fard à paupières, c'est pas la peine, quoi. Mais là, ça va arriver. Je vais faire pas mal de petits make-up. Promis que je vous montrerai lors des vlogs, etc. En tout cas, je voulais vous montrer. J'ai 5 palettes chouchou, vraiment. Ce sont des palettes que j'utilise très régulièrement. Quand je me fais un make-up, c'est vers celle-ci que je me tourne en premier. Tout d'abord, ce sont les Naked. C'est la 1 et la 2. Franchement, ce sont les plus vieilles, mais ce sont mes favorites. Donc là, une, franchement, je la trouve canon. Franchement, je l'ai plutôt déjà pas mal creusée. Elle est trop jolie. Je trouve que les Naked sont hyper pigmentées. Et je trouve que les anciennes Naked sont les plus sympas. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ton très neutre, très marron, doré, etc. Et franchement, les Naked, les premières Naked, c'était le top. La deuxième, le packaging, celui-ci en métal, celui-ci est un peu façon d'un. Et pareil, elle est aussi très jolie. Elles sont dégueulasses.
Et franchement, je les aimais beaucoup. Ce sont des palettes, même si elles seront plus bonnes niveau date de péremption, on va dire. Je les garderai juste pour la collection parce que je trouve ça franchement trop trop chouette. Et ce sont les premières palettes que je me suis offertes quand je suis tombée un peu dans le monde de YouTube, etc. On va continuer toujours avec Urban Decay. Celle-ci, c'est vraiment, vraiment ma favorite de toutes mes palettes. Je la trouve canonissime. C'est la Born to Run. Déjà, le packaging est vraiment, vraiment canon. C'est un packaging qui est aimanté avec un grand miroir. Et les teintes sont plutôt très, très jolies. Vous avez tout du neutre, mais vous avez aussi du coloré. Vous avez du mat, du brillant, du métallique et tout. Enfin, je la trouve canon. Dites-moi si une vidéo make-up vous plairait avec cette palette. Parce que j'ai plein, plein d'idées make-up avec ça. Et dites-moi si ça vous intéresserait. Pourquoi pas faire une petite FAQ tout en me maquillant avec cette palette. Franchement, c'est ma favorite. Si vous cherchez à mettre une palette dans votre wishlist et que vous n'avez pas celle-ci, je vous la conseille à 1 milliard de pourcents devant toutes les autres palettes. Je la trouve vraiment canon. Les fards sont hyper bien pigmentés et se travaillent hyper bien dans cette palette. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Pour d'autres budgets un peu plus élevés quand même, mais des fards qui changent de l'ordinaire, c'est la Huda Beauty. Ça, c'est la 1 et ça, c'est la 2, il me semble. Enfin, je les ai toutes. Elles coûtent un peu plus de 60 euros, mais franchement, elles sont canons. Et les fards sont juste magnifiques. Je me coince les cheveux. Elles sont juste magnifiques. Les fards sont vraiment, vraiment canons. Donc, tout ce qui est brillant, là, se travaille plutôt un peu au doigt ou alors au pinceau un peu siliconé. Et après, le reste, au pinceau normal, se travaille très, très bien. Mais c'est vrai que Huda Beauty, je travaille plus au doigt que au pinceau. Et celle-ci est aussi très, 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 très jolie avec de très jolis fards. Celui-là est juste magnifique. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Ce sont tout simplement des paillettes que... C'est un amas de paillettes hyper concentré qui est juste sublime. Et des paillettes multicolores. Vous avez du rose, violet, un peu de vert, du jaune. Enfin, franchement, elle est canon. Vraiment, si vous aimez les fards qui sortent de l'ordinaire, je trouve que Huda Beauty sont très, très forts là-dedans. Je vais vous montrer une palette de Huda Beauty avec un fard juste sublimissime. Si je retrouve ma palette, c'est celle-ci. Vous voyez, elle a fait des fards de folie. Celui-ci, je trouve qu'on ne trouve pas ce genre de fard dans d'autres palettes. Les marbrés comme ça, hyper pigmentés, hyper lumineux, pareil, on ne les retrouve pas. Je l'ai très peu utilisé celle-ci, je l'ai vu l'année dernière, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Va falloir que je m'y remette, du coup cette vidéo va m'aider à me remaquiller un peu les yeux. Et ce week-end, je vais être à fond là-dessus. Donc voilà pour mes palettes favoris, on va rester sur les yeux avec les mascaras. J'ai 3 mascaras, 2 mascaras et une base. On va commencer par la base. C'est celle de chez Dior. Oui, ça coûte un petit peu cher, mais ça dure assez longtemps. C'est la Dior Show Maximizer 3D. C'est tout simplement une base blanche, en fait, qui aide à allonger, à donner du volume au niveau des cils et à bien faire travailler les autres mascaras, tout autre mascara. Et franchement, c'est une de mes bases préférées. Je suis en train de tester une de chez Kiko qui coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Mais celle-ci, si j'ai un cadeau à faire à une make-up addict, franchement, celui-ci, je lui offrirai parce que je trouve ça trop, trop chouette. Ça fait plus d'un an que j'utilise et je l'aime trop. Il vaut vraiment, vraiment son prix. Et là, j'ai 2 favoris mascaras, petit prix, un Sephora et un Essence. Sachant que la marque Essence, vous pouvez la trouver dans vos Auchan. Moi, je la trouve dans mon Auchan et à tout petit prix. C'est le Get Big Lashes. Il donne du volume, de la courbure, etc. Et franchement, il est plutôt cool. C'est une énorme brosse, par contre. Une brosse en poils synthétiques, quoi. Que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les grosses brosses. Je déteste les picoplastiques. Enfin, je déteste. Ça se travaille très, très mal sur mes cils. Que ça, ça accroche très bien, surtout en combo avec ce genre de mascara. Et l'autre, c'est un Sephora, c'est le Size Up. C'est un de mes favoris. Bon, il est terminé, il n'y a plus rien dedans, franchement. Mais je le trouve trop, trop bien. Seul ou accompagné de la base, il est formidable, celui-ci. Il est à moins de 15 euros et il vous dure plutôt longtemps. C'est un... Combien de millilitres? C'est un gros packaging. 14 millilitres et celui-ci, c'est un...
12 millilitres. Franchement, il vous donne, il vous dure une éternité. Moi, j'aime bien les ouvrir 2-3 fois pendant une semaine et après les laisser fermer pendant 15 jours, 3 semaines. Et après, je trouve qu'une fois bien vieillis, les mascarades, sur moi, se travaillent beaucoup mieux que quand ils sont tout neufs. Quand ils sont tout neufs, souvent, la matière du mascara est trop liquide pour moi. Et quand ils viennent un petit poil pâteux, ils sont top. Et ceux-là, je vous les conseille. Et en plus, ce sont de tout petits prix. On va maintenant passer aux lèvres. J'ai quelques petits produits à vous montrer. Les lèvres, c'est un truc qu'on peut s'éclater avec. Quand vous ne travaillez pas trop les yeux, vous pouvez travailler vraiment, vraiment bien les lèvres. Entre les crayons, les rouges à lèvres, etc. J'ai pas de crayons à vous montrer parce que j'ai pas de favoris dans les crayons. Même si j'en possède, je les aime bien. Mais ce ne sont pas des best-sellers dans ma collection. Donc, il y a des petits prix et des plus gros prix, mais bon, ça reste raisonnable. Tout d'abord, c'est un Shein, c'est un Shiglam, c'est dans la teinte chic. Je le trouve trop, trop, trop joli. Je l'ai en 2 fois parce que je l'ai acheté pour ne pas en manquer et franchement, je le trouve canon. Je vais vous faire des swatchs de cela. C'est tout simplement un nude marronné beige qui va franchement trop, trop bien. Là, j'ai hâte de le reporter. Je le porte un petit peu moins, je trouve, en été parce que quand vous êtes trop bronzé, ça fait trop un teint blafard, mais là, automne-hiver, ça va être la kiffance. Ensuite, un de chez Clarins, c'est, vous savez, les huiles crème légère. C'est les huiles confort. Donc, vous avez en mat ou vous avez en brillant ou en mat. Je les adore. Ça existe en plusieurs teintes. J'ai celle-ci, j'ai la dorée et j'ai la violette. Elles sont top. Quand je ne veux pas maquiller ou quoi, mais que je veux quand même hydrater mes lèvres, j'utilise tout le temps ce genre d'huile. Donc, celle-ci, c'est la teinte 03, la Red Berry. Donc, ça fait un petit gloss rouge, rosé. Et celui-ci, c'est en fait pareil, mais en mat. Et celle-ci, c'est la teinte... Que je fasse pas de bêtises. Bah mince alors. Ah, là. La 01 Intense Nude. Donc, moi, je suis très, très nude. Hein. Donc là, il est brillant, mais quand il sèche, il devient mat. Moi, je suis très nude sur les lèvres. J'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Ensuite, de chez Fenty Beauty, c'est un petit gloss et c'est le Baby Burt, Baby Brut, c'est mieux. Et je trouve que pareil, il a une petite teinte rosé nude, vous voyez. C'est très très léger, mais je trouve que ça fait de très très jolies lèvres. Il colle un peu, mais moi franchement, ça ne me dérange pas et je le trouve plutôt canon. Et ensuite, des rouges à lèvres liquides mat que j'aime énormément. De chez Too Faced, c'est celui-ci et un autre que je retrouve pas. Je l'ai pris pendant les vacances, je pense qu'il est dans mon sac à main. C'est le Melty Chihuahua et l'autre, c'est le... Je vous mettrai le nom ici, mais je l'aime énormément. Je le trouve canon. Je l'avais en miniature. Je sais même pas s'ils existent encore, mais c'est un nude vieux rose. Et franchement, il est trop, trop joli. Pareil, il est en teinte brillante là, mais une fois qu'il sèche... Il est mat et ensuite les veloutés sans transfert de chez Sephora sont les meilleures qualités, prix, etc. Moi j'ai la teinte numéro 13 et la numéro 84. Donc la 13 c'est un vieux rose, ce sont des teintes vraiment que j'aime beaucoup. Là c'est un peu un rose bébé tirant quand même sur le nude. Et celui-ci c'est un peu un plus foncé, je vais vous le mettre là. Mais que j'aime aussi beaucoup, vous voyez, c'est un nude bordeaux, je trouve. Et ce sont des teintes que je peux mettre tous les jours avec n'importe quel make-up. Je trouve que ça va. Et voilà, ce sont le genre de teintes que j'aime beaucoup. Je recherche un peu un corail orangé, mais très joli, que j'ai pas forcément dans ma collection et que je trouve que j'ai du mal à trouver. Mais dites-moi, on ne sait jamais, des conseils, des avis sur certains produits dans les commentaires. Donc voilà, on a terminé avec mes favoris depuis quelques mois ou depuis des années niveau make-up. Ce sont vraiment des produits que je pourrais racheter s'ils se terminent ou que j'ai déjà racheté plusieurs fois. Dites-moi en commentaire, vous, quel est votre produit make-up que vous pouvez racheter et racheter et racheter sans jamais vous en lasser. J'ai hâte de savoir, ça peut peut-être me donner des idées d'achat. Donc voilà, en tout cas, je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve très très vite en vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.